Salut! Alors aujourd'hui, on va faire un petit truc un peu particulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet écran qui est en panne. On va regarder un petit peu ce qu'il a. Alors, c'est un vieil écran que j'ai en stock depuis un certain temps. C'est un vieux ViewSonic VE175B. C'est un écran 17 pouces des années 2000. Et je m'en suis servi assez longtemps et il s'est mis à ne plus pouvoir s'allumer facilement, à prendre de plus en plus de temps à pouvoir s'allumer et à afficher quelque chose. Alors, on va regarder un peu ce qu'il peut avoir. Si on ne peut pas le récupérer, ça m'intéresserait bien de l'avoir pour le brancher sur l'ordinateur qui pilote la machine-outil, pour avoir quelque chose de visible de relativement loin pour pouvoir voir la machine tourner, et pouvoir éventuellement éditer des textes et tout ça de manière plus confortable que ce que j'ai actuellement, qui est un petit écran de 15 pouces et qui a une résolution assez faible. Alors, les symptômes de ce truc-là, c'est ici il est branché. J'ai l'allumé sans aucune source. Voilà ce qui se passe. Il est allumé. Il va afficher un petit truc et il va s'éteindre. Voilà. C'est tout ce qui se passe. Il affiche le petit texte qui indique qu'il n'y a aucune source de connectée. Et il s'éteint. En fait, il s'éteint, mais on voit quand même que la dalle LCD fonctionne. Le message est toujours là. Mais simplement, il s'éteint parce que le rétroéclairage ne tient pas et ne s'éteint tout seul d'une manière spontanée. Donc, semblerait a priori que ce serait un problème d'alimentation du rétroéclairage, ou alors éventuellement que les tubes, qui sont ici des tubes à décharge, hein, sont des tubes à cathode froide, eux sont usés et ne peuvent plus fonctionner. Alors si c'est le cas, bon, ben, de toute façon il sera irréparable, je ne vais pas essayer de trouver une dalle de rechange. Mais disons qu'il est plus probable que simplement ce soit un problème de condensateur qui a vieilli dans le temps. Ou... Disons, on n'en sait rien, on va ouvrir ça, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans et on va regarder un peu s'il n'y a pas un petit problème qui traîne à quelque part. Ok, donc là le moniteur sur le devant. Alors, le problème avec ces appareils-là, c'est qu'on ne peut pas vraiment deviner comment ils vont s'ouvrir. Ça peut être soit très facile, soit ça peut être un enfer sur Terre. Tout dépend si le constructeur a essayé de faire quelques efforts pour la maintenance ou pas. S'il a vraiment envie d'avoir des outils qui soient réparables ou s'il a envie d'avoir des produits qui doivent être remplacés par des produits neufs. C'est ce qui fait la différence entre des bons constructeurs et Apple, par exemple. Donc, à première vue, bon, il y a quatre vis qu'il faut enlever, quatre vis style Posidroid ou Philips plutôt. Il semblerait qu'il n'y ait que ça. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez ancien, c'est une dizaine d'années, hein. C'est à l'époque, c'était le top. Maintenant, c'est, on va dire, totalement dépassé. Sa résolution, c'est 1280x1024, quelque chose comme ça. C'est vraiment, effectivement, complètement dépassé. Alors, celui-là, ça va, il y a quelques vis. Et ça a l'air d'être plutôt facile à décrocher. J'ai déjà démonté des écrans qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles à démonter que ça. Voilà, ça m'a l'air d'être assez facile, effectivement. Il y a, comme d'habitude, des griffes sur un côté. Il faut faire attention de ne pas les casser, parce que ce serait con de finalement perdre un écran qu'on pourrait utiliser. Voilà. Ok. Alors, voilà. Alors là, on est vraiment dans du grand classique. Hein. Une alimentation. Ici, alimentation vraiment standard à découpage. Ici, probablement l'électronique de pilotage qui est blindée avec son petit couvercle blindage. Bon, on ne va pas ouvrir ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment est-ce que l'alimentation, elle, semble en bon état. Alors, quand on a des problèmes d'écran qui n'arrivent plus à démarrer, ça peut être valide pour des télévisions, ça peut être valide pour toutes sortes d'appareils de ce genre. Lorsqu'il ne démarre plus ou qu'il met de plus en plus de temps à démarrer, c'est quasiment à tous les coups un problème de condensateur chimique qui a mal vieilli.
Le condenseur chimique, c'est quelque chose qui est fragile, qui tient difficilement dans le temps. Si on veut vraiment des trucs durables, on est obligé d'acheter des pièces qui sont chères. Et ici, donc, la première chose qu'il faut regarder lorsqu'on regarde, quand on veut vérifier si tout va bien, c'est regarder l'état physique extérieur des condensateurs chimiques. Alors ici, de toute façon, c'est pas difficile, il y en a quatre. Et là, évidemment, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que le derrière du condensateur est bombé ou pas? Alors là, on va y regarder d'un peu plus près. Je vais zoomer sur l'arrière de l'alimentation, ici. Et on va regarder d'un peu plus près comment sont les condensateurs chimiques. Alors, voilà. Il y en a quatre, là, là, là et là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran. Ici, on voit tout de suite un condensateur qui a un problème. On voit tout de suite ce condensateur-là qui est ici bombé. Alors là, c'est le signe alors indiscutable d'une alimentation qui va foirer ou qui foire déjà. Donc là, d'emblée, quasi certain que le problème d'allumage de l'écran est dû à ce condensateur. Ce condensateur, de toute façon, maintenant, a une résistance série qui a considérablement augmenté. Il ne fait plus du tout son office. Et c'est typique d'un vieillissement prématuré. Parce que je ne m'en suis pas servi tant que ça de cet écran. Il a servi une paire d'années, mais pas tant que ça. Il a commencé à merder assez rapidement. Et bon, comme je voulais en changer, la résolution était trop faible. Je l'ai mis dans un coin. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Alors, quelle valeur il peut avoir celui-là? 3300 micros, 16 volts. C'est vraiment une valeur standard, hein. Donc, c'est clair que ici, lui, il est en cause. C'est lui le problème, quasiment à coup sûr. Ici, on a le condensateur qui sert à redresser la tension secteur avant d'être haché et envoyé via un transformateur. Donc c'est vraiment une alimentation à découpage standard. Et ça, c'est plus de la basse tension ici, qui sert à distribuer des choses ici et là pour piloter soit alimenter la dalle, soit alimenter toute l'électronique qu'il y a dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cette chose. On va essayer de changer ça. Et on va voir ce qui se passe. Alors, on n'a pas toujours sous la main des chimiques de la valeur exacte. On n'a pas toujours sous la main des chimiques de la dimension qui convient. D'autant plus actuellement, les dimensions ont tendance à se réduire de plus en plus pour les mêmes caractéristiques. Ici, bon, il y a plein de place autour, donc je peux mettre à peu près n'importe quoi. Pour peu que, de règle, la valeur soit au moins égale à celle qui est d'origine, elle peut être supérieure. Et la tension d'isolement peut être au moins égale à la valeur d'isolation telle qu'elle est mise là. Donc je peux mettre à partir de 3316 volts et mettre plus si nécessaire. Tant que ça tient, il n'y a pas de problème. Il faut jamais mettre en dessous. Sinon, déjà qu'il est probable que les constructeurs mettent le minimum syndical pour que ça marche, ce serait quand même encore plus risqué de mettre quelque chose de plus petit. Donc ici, a priori, ce condensateur-là pose un problème. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas de signes de vieillissement qu'ils n'ont pas un problème. Si on veut vraiment les tester, il faut prendre un ESR-mètre qui permet de vérifier si le condensateur a des caractéristiques auxquelles on s'attend. Les chimiques, eux, ont une tendance à avoir une résistance série qui augmente considérablement quand ils commencent à se désagréger. Et ça se mesure avec un appareil bien particulier qui sert qu'à ça. Mais il peut très bien avoir un aspect extérieur tout à fait correct et avoir un problème de résistance série. Donc, on va changer ça. Je vais regarder un peu ce que j'ai en stock et on va changer ça. Alors, j'ai pas grand-chose en stock malheureusement. J'ai un gros truc là. Bon, j'aurai la place de le mettre, mais il faudrait savoir si je peux le souder avec. Alors, globalement, cette alimentation-là n'a pas l'air trop mal faite. Alors bon, le circuit imprimé, c'est un circuit imprimé style fibre de verre relativement bas de gamme, on va dire. D'une manière plutôt heureuse, le fusible est un type qui
qui n'est pas en verre, mais qui est un fusible en céramique, ce qui évite les problèmes d'explosion en cas de court-circuit, des choses comme ça. Alors là, évidemment, il y a le suppresseur de crête, le découplage correct et disons des composants qui ont l'air d'assez bonne qualité. Et toujours le genre de colle pour fixer les gros composants, comme les résistances ici, pour éviter qu'elles gigotent dans tous les sens. Mais bon, ça a l'air d'être fait plutôt d'une manière disparate, parce que ces condensateurs-là, eux, ils gigotent dans tous les sens. Les radiateurs, eux, tiennent bien. Il n'y a pas tant d'histoires qui sont en l'air comme ça, comme on trouve assez souvent. Bon, la construction est assez correcte hein, dans l'ensemble. Ça a l'air plutôt d'assez bonne qualité. ViewSonic, je ne sais pas trop maintenant, mais à l'époque, était une marque assez réputée, assez chère d'ailleurs. Et bon, donc ils mettent quand même des choses qui sont d'assez bonne qualité. On va regarder même d'un peu plus près quelles sont les marques de condensateurs qu'ils ont utilisées ici. Alors attention, il faut se méfier dans ces alimentations. Il faut se méfier parce que il peut y avoir encore des tensions qui règnent, surtout au niveau du condensateur ici de filtrage là. Il y a souvent des résistances de décharge qui sont mises en parallèle, mais on ne sait jamais. Alors, toujours vérifier s'il n'y a pas des tensions résiduelles. Les condensateurs, ça peut être dangereux, on peut se prendre des châtaignes très facilement. Donc il est très très important de faire attention et de vérifier si tout va bien. Bon là ça va, j'ai 1,64 V, bon au moins on n'a plus grand chose là-dedans, a priori. Donc le condensateur ici, il est là, donc ça a l'air d'être un pas de 10 mm. Ça j'en ai un plus gros là, mais à mon avis il ne rentrera pas dedans. Alors là, va falloir probablement bidouiller avec ce que j'ai en stock. J'ai pas de modèle qui correspond à ce que j'ai besoin. J'ai quelque chose qui est un peu trop gros. Donc on va... Ah, malheureusement, le connecteur, il est soudé. Bon, je vais essayer de trouver un condensateur ou une combinaison de condensateurs qui pourrait convenir. Alors, okay. Donc voilà la plaque ici. Alors, si on pouvait voir, dommage que je puisse pas enlever ce connecteur. Il est soudé, c'est plutôt chiant d'ailleurs. C'est con, est-ce que... Ah, je peux l'enlever de l'autre côté. Je peux l'enlever là, probablement. Voilà. Ok, donc on va pouvoir voir un petit peu plus près. La construction, donc vraiment du grand classique, condensateur qui sert au redressement, enfin qui sert à réguler et à enlever les ondulations du secteur qui est redressé. Ensuite, bon, comme d'habitude, des transistors de commutation, le transformateur qui lui sert à convertir, et après les alimentations standard. Donc ici, voilà le condensateur qui me semble poser un problème. On voit tout de suite l'aspect bombé du truc. Alors, la marque, c'est une marque Elite. Alors, un truc, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est du 105 degrés, a priori. Celui-là, ça n'a pas l'air... Si, 105 degrés. Donc, ils ont quand même mis des condensateurs qui sont d'une qualité... qualité honorable, hein, a priori, du 105 degrés, mais d'une marque un peu inconnue. De toute façon, globalement, si on veut pas être emmerdé avec les condensateurs chimiques, il n'y a pas 36 solutions. Faut prendre des marques connues. Nippon Shinikon, je sais pas, Panasonic, ou autres constructeurs, ça peut être Philips, ou des choses comme ça. Mais les trucs chinois totalement inconnus, pas chers, alors là, c'est à fuir comme la peste. Et c'est bien ça qui a fait le malheur de Samsung, par exemple, avec ses pannes récurrentes sur leurs alimentations, dans leurs téléviseurs, dû à un mauvais choix d'achat de condensateur à un fournisseur qui est de bas de gamme et qui a dû faire un prix ras des pâquerettes. Alors,
On en voit beaucoup des problèmes de cluster, on en parle beaucoup sur le net à ce niveau-là. On parle d'obsolescence programmée d'une manière récurrente là-dessus. En fait, ça c'est bidon. Si un constructeur veut faire l'obsolescence programmée, c'est certainement pas de cette manière qu'ils vont le faire. C'est quand même étonnant dans un modèle où le reste de l'électronique ne pose aucun problème, est absolument fiable, etc. Soit sur une logique d'obsolescence programmée. On va mettre de la merde partout. On va pas mettre des bons composants et hop, le condensateur, lui, il va être pourri et faire changer. Alors qu'un condensateur, ça c'est peut-être le composant le plus facile à changer et c'est vraiment la dernière stratégie à employer si on veut vraiment faire l'obsolescence programmée. Si on veut vraiment faire une stratégie d'obsolescence programmée, alors là, il faut voir ce que fait Apple. Faut pas voir ce que fait Panasonic. Samsung, je veux dire. Le Samsung simplement a fait un achat malheureux de matériel qui n'était pas à la hauteur. Ils ont voulu probablement faire des économies sur un truc et ça leur est tombé sur la gueule. Mais vu que ça se répare très facilement et que c'est une panne de base, c'est pas du tout compatible avec une stratégie d'obsolescence programmée. Donc, on va essayer de changer le constructeur. Ici, donc il est là, sur cette piste-là. Alors, il y a une double empreinte pour différents types de modèles, différents types de pas. Bon, il y a une empreinte à 10 mm et l'autre probablement à 7,5. Bon, alors j'ai fouillé un peu dans mes stocks, j'ai rien trouvé qui corresponde à la taille qui pourrait rentrer là-dedans parce que il y a vraiment des contraintes de hauteur. J'en ai des plus gros, mais qui pourraient être soudés dessus, mais qui, de toute façon, m'empêcheraient de fermer l'écran à la fin. On va virer ce truc. Oh là 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 là, effectivement. Alors, typiquement, le genre de pourriture qui peut arriver, canister qui fuit à mort. Voilà, alors ça, c'est tout pourri. Ça, c'est bon. Voilà, typiquement, le genre de truc qui fonctionne pas. C'est typique d'un canister soit qui a trop chauffé ou qui est à l'origine de toute façon de mauvaise qualité. Donc voilà, là, on peut tout de suite oublier. J'ai rarement eu ce cas aussi extrême de fuite, mais bon, ça c'est vraiment le signe qui trompe pas. Poubelle. Alors, en plus, ça a bien sali le truc là. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Je peux pas de toute façon faire passer ça directement comme ça. Alors, j'en ai un plus petit. Ah, on va essayer ça. On va essayer celui-ci, juste pour l'expérience, qui est un 2200 micro. Il est un peu trop petit, hein, bon, mais probablement que de toute façon, ça, au moins pour l'expérience, ça montrerait s'il y a une différence de comportement au démarrage. Donc là, il faut bien faire attention à la polarité. Le plus étant ici, ce côté-là. Voilà, donc, voilà le truc. C'est évidemment la seule chose qu'il faut faire gaffe avec les condensateurs chimiques, c'est leur polarité. Voilà. On va essayer ça, on va voir ce qui se passe. On va pas refermer à l'arrière parce que je pense pas que je puisse le faire. Voilà. Juste remettre une paire de vis. Je vais pas la remonter complètement. Si le problème ne vient pas de là, c'est pas la peine de tout remonter. Le but, c'est juste de pouvoir le tester et sans que ça se trimballe partout. Il est préférable de ne pas laisser ça flotter comme ça pour faire des essais. Il y a des hautes tensions là-dedans et c'est dangereux. Les alimentations, en général, c'est dangereux. Faut vraiment faire gaffe quand on manipule ça.
Il y a des tensions d'indice duel un peu partout. Il y a des condensateurs qui restent chargés très longtemps. Donc faut vraiment faire attention. Quand on travaille là-dedans, on ne doit travailler qu'avec une seule main, toujours. Sauf si vraiment il n'est pas possible autrement de faire, il faut toujours avoir une main dans sa poche. Le but, c'est que le courant passe pas d'une main vers l'autre et donc traverse tout le corps. Si on se prend une châtaigne comme ça d'une main, le courant va passer entre deux doigts. Ok, ça va faire mal, mais ça va pas aller plus loin. Par contre, si on touche la masse d'un côté et on touche une autre tension avec l'autre main, le courant va passer dans les deux bras et va passer carrément dans le corps entier. C'est pour ça qu'on ne doit pas travailler avec deux mains. C'est simplement, on veut pas que le courant passe dans des chemins qui pourraient être beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Ok, donc là, j'ai remis le truc. On va voir un peu ce qui se passe. Hein, on va remettre là. Truc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va voir. Touk. Ah, et là. Ah, miracle. Et là, ça marche. Ah, et là, il vient de s'éteindre. Mais ça, c'est parce que, en fait, c'est parce que le texte il s'est mis en veille, tout simplement, parce qu'il n'y a rien qui est branché derrière. Mais a priori, ça a l'air d'avoir résolu le problème. Alors, je vais brancher un ordinateur dessus, juste pour vérifier. Je vais juste regarder si je peux mettre le couvercle. Et voilà. Alors là, c'est vraiment une petite vidéo pour montrer un truc qui est extrêmement courant dans le vieillissement des appareils. Ce sont des composants qui foire parce qu'ils deviennent vieux. Et ah, là, je vais remettre les vis. Oh, j'ai oublié de mettre les vis qui manquent. Les condensateurs chimiques, ce sont les composants les plus fragiles qui soient. Et il est important, lorsqu'on fait des montages soi-même, de n'utiliser que des composants qui sont de haute qualité. Et il ne faut pas faire d'économie sur ce genre de truc. Parce que de toute façon, il est des schémas où une défaillance de l'alimentation peut détruire. Pas par surtension, mais par manque de tension. Il existe par exemple certains modèles d'ampli-op. Si on ne l'alimente que d'un côté et pas de l'autre, l'ampli-op peut se retrouver en situation d'échec qui fait qu'il pourrait être détruit. Hein, il faut vraiment faire attention à ce que on ait une fiabilité totale quand on veut faire de quelque chose qui veut durer. Donc, les condensateurs chimiques sont une des principales faiblesses de tous les montages. Malheureusement, on ne peut pas s'en passer dès qu'on veut des valeurs de capacité élevées. Il n'y a pas d'alternative, hein, donc on est obligé de le faire. Alors, c'est importé à peu près de n'importe qui de changer les condensateurs par exemple, une télévision ou quelque chose comme ça. D'être un peu bricoleur, et puis voilà, c'est souvent pas nécessaire d'aller amener le truc chez le réparateur parce que c'est quelque chose qui peut être fait d'une manière très simple. Faut juste commander le bon modèle. Bah, il suffit de se fier à ce qui est marqué sur l'ancien et faire attention à ne pas le brancher à l'envers. Ce sont les deux seules précautions qu'il faut prendre, c'est tout. Alors après, bon. Soit on est en confiance, soit on ne l'est pas, mais bon, pour quelqu'un qui sait monter un meuble Ikea sans se planter, changer une capacité sur un truc, bon, s'il fait un peu d'électronique, il a un fer à souder pas trop pourri, qu'il a un peu l'habitude, bon, c'est pas trop un problème. Alors, je vais essayer de le brancher sur quelque chose. Ok, alors, on va brancher sur un ordinateur, on va voir ce qui va se passer. Hop là, miracle. Voilà, donc il va démarrer. Et voilà, comment recycler un vieil écran et réutiliser. Alors moi, il va servir comme écran pour la machine-outil. Comme ça, je verrai d'un peu plus loin. J'en ai un, il est grand comme ça, d'écran. C'est le même, mais ça doit être le 155B, un 15 pouces. Donc, il est grand comme ça, et le problème, c'est qu'on voit pas très bien ce qui est écrit.
Puis quand j'édite du texte, j'ai pas beaucoup de lignes dans l'éditeur, c'est un peu chiant. Alors que là, c'est un écran qui est nickel, qui a pas vraiment beaucoup tourné, et qui fonctionne très bien, qui est très net. Voilà, pourquoi acheter ça, hein? Voilà, comment on recycle 3 proutes? On recycle un truc de coup de cuir à peau en changeant un composant. Voilà, ça, voilà un exemple typique de problème dû à les condensateurs chimiques. De toute façon, c'était quasiment couru d'avance que c'était ça la panne. C'est vraiment, tous les symptômes sont là, et c'est un grand classique. Actuellement, les condensateurs sont quand même de bien meilleure qualité qu'ils ne l'étaient, surtout pour le même volume. Mais néanmoins, acheter des condensateurs de marque inconnue ou de bas de gamme, de toute façon, c'est s'exposer à des défaillances à moyen terme. Il n'y a pas de secret. Si on veut des bons condensateurs, il faut prendre des constructeurs connus qui maîtrisent leur production. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, voilà typiquement un exemple en ce 1er novembre de panage express, alors de bas de gamme express, d'un écran qui fonctionne maintenant.